C'est maintenant la période des questions. Le député de Nipissing. Bonjour, j'ai une question pour la Première ministre. Aujourd'hui, votre projet de loi budgétaire va avoir une deuxième lecture, mais il y a de grosses échappatoires que vous auriez pu fermer, mais que vous avez choisi de ne pas le faire. Alors, il y avait par exemple la loi sur les trusts qui vont mettre certains montants dans les revenus et pas dans le trust. Il n'y a aucune garantie que l'argent sera remis au trust et ne sera pas utilisé juste pour le déficit. Une fois que vous avez vendu un bien public, vous serez la seule à décider où est-ce qu'on va mettre cet argent, est-ce que ça va aller dans le trust. Nous avons déposé des amendements qui amélioreraient la transparence en ce qui concerne la vente de biens. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre ces amendements? La Première ministre, je sais que le ministre des Finances va vouloir en parler en ce qui concerne des questions assez techniques. Moi, je vais dire que nous nous sommes engagés, dès que nous avons présenté le plan et même avant, nous nous sommes engagés à construire de l'infrastructure en matière de transport. Et nous avons voulu avoir des fonds de trust pour que les gens de l'Ontario puissent savoir combien d'argent va être donné pour l'infrastructure et les transports et comment on va dépenser cet argent. On s'est engagé à dépenser 29 milliards de dollars pour toute la grande région torontoise et également 14 milliards de dollars pour l'extérieur de Toronto. Je suis heureux que le député d'en face s'intéresse à cette question et peut-être qu'il va appuyer le budget. Merci. Mais malheureusement, je pense que ce que vous avez fait avec les centrales au gaz, ça nous donne une raison de ne pas vous croire. Alors, reprenons la question. D'abord, vous vendez un bien public, mais vous êtes la seule à décider quels sont les critères que personne d'autre ne saura si ce bien public est qualifié pour entrer dans le trust. Et ensuite, conformément à la loi, vous pouvez peut-être demander qu'une portion des revenus aille dans le trust. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre cet argent dans la dette et on ne le saura jamais. C'est la raison pour laquelle on avait demandé un amendement pour que le vérificateur général puisse savoir comment on va distribuer l'argent. Pourquoi est-ce que vous avez demandé à votre comité de voter contre la transparence, le ministre des Finances? Bon, ça, c'est un peu incroyable d'entendre un député de l'opposition qui parle de transparence, en particulier quand ils ont vendu la 407, pardon. Dans notre budget, nous avons un chapitre qui parle de transparence et on va dire au public ce que nous allons faire. Nous avons déjà dit que la vente de biens publics arrêtait la pendule. Trop de bruit de chaque côté. Terminé. Nous allons continuer à offrir de la transparence dans ce que nous faisons. Nous avons dit très clairement que ce que l'on revoit va être évalué. Donc, nous allons déjà déterminer combien d'argent va être donné. Et nous allons continuer de faire ce qui est dans l'intérêt du public. Hier, vos députés ont voté contre la vente transparente de ces biens. Nous ne sommes pas contre la vente de biens publics, mais nous ne voulons pas utiliser certains montants pour vous servir pour vos dépenses. Hier, on a dit que si on avait le vérificateur général, ce n'était pas vraiment utile. Et ça, c'est le même bureau du vérificateur général qui a révélé la Chambre, donc le service de la dette. On avait appris qu'en 2014, on avait ajouté 4 milliards de dollars de plus sans avoir été divulgué et donc on paye encore cet argent maintenant.
Alors ça, ça a été mis dans le revenu général pour baisser la dette artificiellement. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez voté contre la transparence en comité? Le ministre. Bon, alors, pour la dette, ça, c'est ce qui appartenait à l'autre parti. Ils nous ont laissé des millions de dollars en raison de programmes sur de l'électricité. Arrêtez la pendule. Je l'ai dit une deuxième fois. Il y a beaucoup trop de bruit de chaque côté. Quand on pose des questions, qu'on répond aux questions. Ensuite, je vais passer aux avertissements. Et ensuite, je vais nommer les députés. Monsieur le Président, en raison de ces erreurs, les questions dont parle le député, nous avons essayé de corriger les choses. Mais nous avons mis en place dans ce budget une façon de rendre toutes les choses beaucoup plus transparentes. Et il y avait certainement des circonstances différentes. Il y a différents biens dont on parlait. On va divulguer ce que l'on fait. Et le député d'en face et le parti d'en face n'avaient pas fait cela. Nous sommes ceux qui avions présenté cette question de transparence. Nouvelle question. La députée de Nepean Carlton. J'ai une question pour la Première ministre. Avec des indicateurs qui semblent peut-être un peu inquiétants avec les agences de notation, avec un déficit de 12 milliards de dollars, est-ce que la Première ministre pourrait nous dire donc quelles sont ses priorités, éviter les grèves ou essayer de respecter ses cibles? La Première ministre. Quand on gouverne, évidemment qu'il y a des complexités. On ne choisit pas entre s'assurer qu'on a un excellent système d'éducation, un bon partenariat avec les gens qui sont dans les écoles, les enseignants, les administrateurs, etc. On ne choisit pas entre cela et les cibles fiscales. On essaye de faire les deux. Et c'est ce que nous avons présenté. On essaye de faire les choses à la plusieurs choses à la fois. Moi, j'admire la confiance de la Première ministre, alors Maître Lix. Donc, il y a eu d'autres négociations avec les docteurs, les enseignants. Il y aura des problèmes. Il y aura sans doute des compromis. Alors, c'est clair que certainement, on ne pourra pas respecter les cibles fiscales. Alors, le gouvernement parle donc d'aucune indemnisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, des salaires plus élevés avec moins de travailleurs, moins de services. Ou est-ce que la Première ministre va admettre que c'est juste plus de salaires que les Ontariens vont devoir payer parce qu'on n'avait pas vraiment de priorité budgétaire qui était mise en place? La Première ministre, il y a des différences entre les deux partis avec cette question. Entre la chef du parti d'opposition. Bon, qui sait? Et l'une de ces différences essentielles est la suivante. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait des négociations collectives. Nous pensons que ça doit être respecté. Et nous pensons que c'est la meilleure façon pour que les accords soient obtenus. Ce processus de négociation collective va être honoré de notre côté, mais on a été très clair qu'il n'y a pas d'argent supplémentaire pour ces accords, pour les salaires. Donc ces négociations collectives vont respecter le cadre financier. Ce que la Première ministre n'a pas dit, c'est qu'il y a toujours des conséquences quand il y a des augmentations de salaire. Alors avec Maître Lix, quand il y a une augmentation de 8,5% en parlant donc d'aucune augmentation, alors qu'est-ce qui va se passer? On va couper donc des services ou peut-être que les déficits vont augmenter. Et avec les négociations pour les contrats des enseignants cet automne, alors une augmentation de 2%,
Alors, ça va entraîner des coupures, des salles de classe plus remplies, ou peut-être le déficit va augmenter. Étant donné les priorités, est-ce que la première ministre va dire qu'elle ne veut pas respecter les réductions du déficit ou les Ontariens vont être les victimes? La première ministre, moi je veux absolument respecter nos cibles en matière fiscale. La priorité du parti d'en face, c'est d'avoir des conflits avec les syndicats. Ça, c'est vraiment leur croyance fondamentale que c'est la meilleure façon de gouverner. On a vu ça quand ils étaient au pouvoir en 2003. On a vu ça pendant leur campagne. C'est un parti qui croit que lorsqu'on a des relations conflictuelles avec les gens qui donnent des soins de santé, l'éducation, alors c'est un parti qui pense que c'est la façon de faire. Mais nous, ce n'est pas notre avis. Nous pensons qu'il faut au contraire travailler avec tous ces gens-là. Il faut donner des services de façon différente et il faut également continuer d'avoir de bonnes relations avec les gens qui offrent tous ces services. Nouvelle question. La chef du troisième parti. J'ai une question pour la première ministre. Pendant des semaines, la première ministre a refusé de répondre à des questions qui concernent la vente de biens publics et ses coupures aux services publics. Alors, la première ministre a refusé également d'avoir une revue indépendante de son plan fiscal. C'est ce qu'elle avait appuyé en 2004 et 2006. Elle choisit de mettre de côté le fait que c'est juste pendant les années d'élection que le vérificateur peut revoir les estimés et les projections pour voir si le plan fiscal est raisonnable ou non. Est-ce que la première ministre va nous dire pourquoi est-ce qu'elle croit que tout budget électoral a besoin d'être supervisé, sauf le sien? On a répondu à toutes les questions de la chef du troisième parti. Et moi, je vais dire qu'on allait avoir cette revue, mais le NPD en particulier a décidé qu'il n'allait pas appuyer le budget. Et donc, nous avons eu une élection. Ça, c'était le choix du troisième parti et de l'opposition. Donc, nous avons une élection et on a donc représenté le budget que l'on avait et le vérificateur ou la vérificatrice générale va regarder les finances de cette province et son rapport sera présenté cet automne. Arrêtez la pendule. Bon, alors je vais faire une remarque. Les débats, donc, entre les questions vont s'arrêter, sinon vous allez être avertis. Alors, s'il vous plaît, donc faites attention. Prochaine question. La première ministre a dit catégoriquement qu'elle allait être contre la transparence et elle ne veut pas que la vérificatrice générale regarde son plan fiscal. Et maintenant qu'elle est élue, donc elle ne veut pas que la vérificatrice générale revoie son budget. S'il n'y a pas de revue publique, est-ce qu'elle va au moins dire au public si la vérificatrice générale a été consultée de façon privée? La première ministre, la chef du troisième parti est certainement décidée à voter contre un budget qui allait éliminer les temps d'attente pour les gens ayant des déficiences intellectuelles, qui allait aider les proposer aux services à la personne. Mais moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est que nous faisions toutes ces choses-là, que nous faisions tous les investissements nécessaires en infrastructure. Mais elle, donc la chef du troisième parti, elle est contre. Notre plan a été présenté. Nous allions avoir une vérification avant l'élection ou avant donc le budget, mais le troisième parti et l'opposition avaient décidé que nous allions aller en élection. Dernière question complémentaire.
Les familles ont le droit de savoir si le gouvernement fait des assumptions raisonnables en ce qui concerne les affaires de la province. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment évident. Je pense que les gens ont le droit de savoir parce que les services dont ils dépendent sont en jeu. Alors, par exemple, donc les transports en commun, est-ce que la première ministre va confirmer que le ministre des Finances va travailler avec la vérificatrice générale pour parler des inquiétudes en ce qui concerne les revenus venant de l'essence? Monsieur le Président, alors tous nos ministères travaillent avec la vérificatrice générale de manière active. Elle nous pose des questions qu'elle nous répondons. Et le ministère des Finances ne fait pas exception à cette règle. Le plan fiscal que nous avons proposé constitue en fait le fondement du programme électoral du troisième parti. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que la chef du troisième parti essaie de trouver toutes les raisons possibles de ne pas soutenir un budget qui permettrait de donner davantage d'argent aux gens qui sont les plus vulnérables dans cette province. Elle cherche à trouver des raisons pour ne pas soutenir un budget qui donnerait davantage d'argent aux préposés aux services de soutien à la personne, qui font partie des travailleurs les plus importants et les moins bien payés de notre système de santé. Elle cherche des excuses pour ne pas soutenir un budget qui investirait 810 millions dans les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles. Merci. Nouvelle question. Cette nouvelle question s'adresse également à la Première ministre. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un examen indépendant de la part de la vérificatrice générale, et ceci devient de plus en plus manifeste à mesure que la Première ministre répond à nos questions. Et nous devons vraiment connaître les chiffres et ce qui les compose, et je pense que c'est la responsabilité de la Première ministre que d'être ouverte et franche avec le public. Et je me rappelle qu'elle parlait très souvent de transparence et que c'était l'une de ses croyances principales par le passé. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que la Première ministre peut nous dire si la vérificatrice générale a contacté ou a été contactée par le ministère des Finances concernant les méthodes comptables utilisées pour le financement des transports en commun et quelles étaient ses préoccupations le cas échéant? La Première ministre, Monsieur le Président, concernant cette question sur la taxe sur l'essence, ces 2 cents qui permettent de financer les transports en commun dans la province, ceci représente à peu près 320 millions de dollars par an. Et ce sont des fonds qui sont attribués aux municipalités en fonction du nombre de passagers et de leur population. Donc je ne comprends pas la préoccupation de la part de la chef du troisième parti, parce que nous nous sommes engagés à conserver ce financement par les impôts. Mais si elle est tellement inquiète de notre plan fiscal, alors peut-être qu'elle devrait revenir à la page 2 de son programme électoral qui dit qu'ils équilibreront les comptes de la province d'ici 2017-2018. Avec beaucoup plus d'espace fiscal que le plan libéral. Voilà ce que cela dit. Cela dit également que leur plan fournirait un coussin fiscal supplémentaire de 700 millions par an. Alors voilà ce que dit leur plateforme, leur programme électoral, pardon. Alors, complémentaire, Monsieur le Président, chaque fois que la Première ministre refuse de répondre aux questions directement, eh bien, elle accroît les inquiétudes concernant son budget d'austérité. Parce que si ce que le gouvernement disait était vrai, eh bien, la Première ministre serait heureuse d'accueillir la supervision de la vérificatrice générale. Alors, c'est pourquoi on se demande qu'est-ce que ce gouvernement a à cacher de sorte qu'elle ne souhaite pas que la vérificatrice générale examine les chiffres derrière son plan fiscal. Réponse, la Première ministre, j'accueille à bras ouverts son examen pour chacun de mes ministères et je pense que le travail de la vérificatrice générale est extrêmement important pour le fonctionnement du gouvernement et son amélioration, ainsi que la prestation améliorée de services. Donc j'accueille à bras ouverts le travail et les examens de la vérificatrice générale. Et je pense qu'il est tout à fait significatif de voir que Standard & Poor's, à 17 semaines
que la gestion financière de l'Ontario était tout à fait forte et que le niveau de transparence et de divulgation des états financiers était également élevé et que donc des informations détaillées étaient fournies régulièrement au public et à la vulgarité générale. Alors voilà ce que reflétera le rapport de la vulgarité générale lorsqu'il sera présenté en automne et je l'accueille à bras ouverts. Merci. Complémentaire. Final. Alors hier, la Première ministre a dit que les mesures de transparence et d'imputabilité mises en place par Dirksen McGuinty s'appliquaient également à son gouvernement. Mais cela ne signifie pas qu'elle soit autorisée à traîner les pieds lorsqu'il s'agit d'un examen indépendant de son plan fiscal. Alors, c'est tout à fait normal que cette supervision ait lieu. Et même en 2011, lorsque la vérificatrice générale s'est exprimée de manière préoccupante concernant le plan fiscal, ils n'ont pas réagi. Donc, est-ce que la Première ministre va s'engager à ce que cet examen indépendant de son plan fiscal soit rendu public avant la fin de l'année? Réponse, le rapport de la vérificatrice générale sera présenté et déposé en automne. Et voilà ce que le NPD disait par le passé. Le NPD parlait par le passé de questions telles que la pauvreté, donc l'augmentation de la prestation ontarienne pour enfants aurait été une mesure qu'ils auraient dû accueillir à bras ouverts. Il y avait également dans leurs arguments le besoin d'augmenter les prestations d'aide sociale. Et voilà les thèmes desquels ils parlaient par le passé. Ils parlaient également d'une approche systémique concernant les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles. Donc, on aurait vraiment pensé qu'ils auraient soutenu un budget qui contenait tous ces éléments. Et même lors de la dernière élection, ils parlaient des programmes de bonne nutrition des élèves qui devaient être étendus. Donc, vraiment, on aurait pu penser et croire qu'ils auraient soutenu un budget qui contenait tous ces éléments. Donc, la chef de la troisième partie cherche à trouver des raisons de ne pas soutenir le budget. Merci. Nouvelle question, la députée de Whitby-Oshawa. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, comme vous le savez, les ambulances aériennes Orange ont été reconnues coupables de 17 infractions au code criminel. Et le 31 mai 2013, il y a eu un accident mortel qui a coûté la vie à 4 employés d'Orange. Et l'enquête a montré que le pilote n'avait pas été formé suffisamment pour piloter un tel aéronef et que malheureusement, il n'avait pas de visibilité suffisante la nuit. Et malgré des avertissements répétés, cet accident a eu lieu. Et donc, Orange est maintenant accusé de ne pas former suffisamment ses employés. Donc, il y a vraiment eu des échecs désastreux à ce niveau-là. Que faites-vous pour vous assurer que vos employés se rendent de manière sécuritaire à leur destination? Merci. Merci pour cette question. Il y a un processus qui est en cours actuellement. Et il y a donc des actions judiciaires en cours, donc je ne peux pas parler de ces détails en particulier à cause de l'enquête qui est en cours, mais je suis tout à fait heureux des progrès qui ont été faits par Orange ces dernières années. J'aimerais m'engager auprès de la députée d'en face que nous travaillons, et nous avons travaillé par le passé, nous allons continuer de le faire pour mettre en œuvre les recommandations qui nous ont été faites par différentes entités pour améliorer le rendement chez Orange. Et bien sûr, il faut se rappeler du rôle important de ces individus qui jouent un rôle vital chaque jour. Et donc, le gouvernement va mettre en place des mesures pour améliorer la supervision de ces services. Nous avons un conseil d'administration très fort à ce niveau-là. Merci. Complémentaire. Merci. J'aimerais dire au ministre qu'il s'agit vraiment d'un problème tout à fait grave. 4 personnes sont mortes et maintenant Orange, eh bien, fait face à des accusations très importantes. Et quoi que vous ayez fait, cela n'a pas l'air de fonctionner. Il faut vraiment améliorer la sécurité de ces personnes.
Et malgré de nombreuses plaintes et questions à ce sujet, le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé à l'époque a insisté pour dire que les choses allaient très bien. Le 19 avril 2013, deux mois avant cet accident mortel, la ministre avait affirmé que Orange était en bien meilleur état maintenant. Alors, Monsieur le ministre, il faut vraiment qu'il y ait des changements, des modifications importantes d'apporter pour s'assurer que des personnes supplémentaires ne perdent pas leur vie. Et donc, que faites-vous pour vous assurer que les employés d'Orange et leurs patients soient en sécurité? Merci, le ministre. Alors, comme tous les députés de cette Assemblée, j'ai été accablé d'entendre que cette tragédie avait eu lieu. Deux pilotes sont morts et deux ambulanciers paramédicaux sont également décédés des suites de cet accident. Et bien sûr, nos pensées vont à leurs familles et à leurs collègues. Et malheureusement, donc, ces quatre personnes ont perdu la vie dans cet accident. Et j'aimerais vraiment dire à la députée d'en face, et je comprends que ce soit un sujet qui la préoccupe, j'aimerais l'assurer que nous prenons très au sérieux les recommandations qui nous ont été faites. Nous prenons ces accusations également très au sérieux, ainsi qu'Orange et la direction d'Orange. Donc j'aimerais dire qu'avant cet incident tragique, nous avions déjà commencé à travailler avec Transport Canada pour mettre en œuvre des mesures pour améliorer la sécurité des patients et le rendement d'Orange. Et donc, nous voulons nous assurer que les travailleurs d'Orange travaillent dans des conditions sécuritaires. Merci. Nouvelle question, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Alors, hier, j'ai présenté un projet de loi pour une plus grande protection des stagiaires et des travailleurs vulnérables qui avait été présenté pour la première fois par mon collègue John Shine. Et j'aimerais vraiment dire que c'est un projet de loi qui va bien au-delà des mesures proposées par votre projet de loi 18, qui ne va pas assez loin en ce sens. Et donc, il y a des attentes bien claires dans mon projet de loi concernant, par exemple, les heures de travail des stagiaires et les protections de ces stagiaires, ainsi que la description des tâches qu'ils ont à accomplir. Donc, il n'y a aucune raison de continuer l'exploitation de ces stagiaires non payés. Merci. Est-ce que vous allez soutenir mon projet de loi? Réponse, le ministre du Travail. Alors, merci beaucoup d'avoir posé cette question. J'aimerais dire très, très clairement dès le départ que le titre du poste importe peu, que votre poste importe peu, mais si vous travaillez pour quelqu'un dans cette province de l'Ontario, vous êtes couvert par la loi sur les normes d'emploi et vous avez donc droit à une rémunération. Il y a une toute petite exemption qui existe pour les personnes qui travaillent dans les établissements scolaires ou bien les étudiants qui sont en placement dans le cadre de programmes d'éducation coopérative. Alors, nous sommes très, très clairs là-dessus. Il y a de nombreuses mesures permettant de faire appliquer ces règles. Nous avons parlé à de nombreux employeurs, à de nombreux établissements postsecondaires, et nous voulons nous assurer que les gens de cette province comprennent que nous prenons ce problème très au sérieux et que nous allons continuer ces inspections. Et nous allons nous assurer, dès le départ, que si l'on travaille en Ontario, on est payé dans tous les cas. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, en réponse à ces exemptions dont vient de faire mention le ministre, j'aimerais dire que, justement, mon projet de loi, eh bien, supprimerait cette exemption pour les étudiants qui sont dans des programmes d'éducation coopérative pour qu'ils soient également protégés au même titre que les autres. Et il y a trop d'exemptions, justement, dans cette loi qui existe. Donc, de nombreux travailleurs sont exclus de ces protections. Donc, ce projet de loi constituerait un petit pas dans la direction de justement combler ces lacunes en matière de protection. Alors, j'aimerais redemander au ministre s'il est prêt à soutenir ce projet de loi pour accroître la protection des travailleurs. Merci. Réponse au ministre du Travail. Alors, ce projet de loi serait bien utile, mais j'aimerais quand même dire qu'avant l'élection, il y avait le projet de loi 146 qui avait été présenté devant cette Assemblée, qui aurait justement accru la couverture de ces étudiants en programme d'éducation coopérative. Alors, nous avons représenté ce projet de loi en tant que projet de loi 18, et j'aimerais dire que le ministère du Travail reçoit 18 000 demandes
de remboursement en matière d'emploi chaque année. Et nous avons 150 agents chargés des inspections et de faire respecter les normes en la matière. Et nous avons donc des demandes concernant tout type de violation, y compris en ce qui concerne les stages. Et j'aimerais dire aux gens qui nous regardent que s'ils ont un problème concernant justement ces stages, il y a une ligne d'écoute qu'ils peuvent appeler le 1-800-531. Qu'ils peuvent appeler. Donc, je vous invite à appeler ce numéro. Alors, j'aimerais poser une nouvelle question au ministre des services communautaires et sociaux. Alors, il s'agit d'un comité qui a été donc mis en place concernant les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles, qui a rencontré de nouvelles familles, car il a été reconstitué, et j'aimerais vraiment dire que nous sommes heureux d'avoir reçu les recommandations de ce comité. Alors, nous sommes vraiment, vraiment intéressés par les résultats de ce rapport, de ce comité. Est-ce que la ministre pourrait nous en faire part? Merci, Madame la ministre. Merci. Merci pour cette question. Alors, tout d'abord, j'aimerais vraiment reconnaître le travail exceptionnel des membres de ce comité sur les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles. Je pense que lorsque l'on met les querelles partisanes de côté et qu'on travaille dans l'intérêt du public, eh ben, on peut être très, très efficace et avoir de bonnes recommandations. Et c'est ce que ce comité a fait. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont fait des soumissions à ce comité, que ce soit en personne ou sous forme écrite. Et vraiment, c'est tout à fait urgent que l'on se consacre à ces préoccupations qui existent dans les collectivités. Et de nombreuses questions qui ont été soulevées à l'époque étaient des questions dont nous étions tout à fait conscients dans le cadre de mon ministère. Mon prédécesseur, M. McMeekin, a justement mis en place des mesures pour arranger les choses, y compris 810 millions d'investis ces prochaines années. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président et Madame la Ministre. Je suis tout à fait heureuse d'entendre ces bonnes nouvelles. Je suis heureuse d'entendre que ces recommandations sont examinées. Et vous avez également parlé d'une injection de 810 millions de dollars pour les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles. Et vous avez également annoncé que d'ici 2016-2017, ce fonds allait augmenter à 2 milliards de dollars pour ces services à ces personnes. Mais bien sûr, l'argent ne suffit pas à améliorer la situation de ces personnes et de leurs familles au quotidien. Donc, est-ce que la ministre pourrait dire quelles autres mesures sont prises par son ministère pour justement améliorer les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles en Ontario? Merci, Madame la ministre. Merci encore une fois à la députée pour sa question. Et comme elle l'a dit, les 810 millions qui vont être investis sur ces 3 ans, bien sûr, ne suffiront pas. Les investissements sont importants, mais nous savons également qu'il faut s'attaquer aux problèmes de ces familles. Il ne s'agit pas uniquement d'argent en la matière. Donc, nous allons mettre en place un groupe de travail sur le logement dans un avenir proche pour justement faire des propositions d'options résidentielles à ces personnes et à leurs familles. Nous allons également parler au personnel du SOPDI pour justement parler de ces pratiques qui ont été mises en place et qui sont tout à fait positives. Nous avons à peu près 18 000 adultes qui reçoivent des services en milieu résidentiel et il y a plus de 15 000 d'entre eux qui reçoivent un financement au titre du programme Passeport. Donc il nous faut vraiment trouver des pratiques exemplaires à appliquer en la matière. Merci. Nouvelle question, la députée de Haliburton Court Lakes Brock. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. L'Ontario, avec pour devise « tant à découvrir par le passé », mais ceci va peut-être changer en ce qui concerne, grâce à la décision du gouvernement, d'augmenter la taxe sur le carburant d'aviation de 148%. Et ceci va avoir un impact dévastateur sur les 400 000 passagers aériens, ainsi que les hôtels, les restaurants, les agences de voyage et les tours opérateurs qui, justement, dépendent de ces passagers. Alors, est-ce que vous savez combien d'emplois cela va nous coûter dans le secteur de l'aviation? Merci. Le ministre des Finances.
Merci. Je pense que la députée d'en face sait très bien que pour soutenir le tourisme et la croissance économique de notre province, ainsi que le tourisme, ainsi que la vitalité de notre province, eh bien, il faut faire des investissements en conséquence. Et c'est pourquoi nous allons mettre en place le lien Air-Rail vers l'aéroport Pearson. Et c'est pourquoi nous voulons éliminer la congestion routière et l'engorgement qui nous coûte actuellement 6 milliards de dollars par an. Et donc, pour arranger les choses, il faut augmenter cette taxe sur le carburant aviation de 1 cent par litre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et je lui demande de parler au gouvernement fédéral pour qu'eux fassent baisser leurs taxes. Question complémentaire. Monsieur le ministre, les gens vont aller à Buffalo davantage. En 2012, la Colombie-Britannique, en dépit des contraintes budgétaires, a décidé d'éliminer cette taxe sur le carburant d'aviation et pour attirer de nouveaux services et créer de nouveaux emplois. Et ça a fonctionné. On a attiré plus de 22 nouveaux vols à Vancouver. Et il y a beaucoup de vols internationaux où on crée 150 à 200 nouveaux emplois et 400 emplois sont créés dans les hôtels et restaurants avec l'augmentation du tourisme. Votre proposition d'augmentation de taxes va coûter au moins 3 000 emplois qui seront perdus. Est-ce que vous engagez à ne pas imposer cette hausse avant qu'on ait une évaluation de tous les retombées de cette mesure? Réponse du ministre. On a une comparaison entre l'Ontario et l'aéroport international de Pearson compare à d'autres aéroports internationaux à travers le monde et l'Ontario est beaucoup plus concurrentiel et on va continuer à le faire. Et cette taxe n'a pas changé en 1992. Si on pense à la taxe qui est de 2,7 cents ici à Pearson, elle est de 69 cents à Londres plutôt et 50 cents à Paris. Interruption du président, arrêtez le député de Nepean Carlton. Comparé contre Chicago et le Manitoba, par exemple, c'est une taxe qui est bien meilleure. Et donc, il faut avoir de l'argent pour investir dans les services et c'est l'approche qu'on a. La députée d'en face peut parler à ses cousins fédéraux qui nous disent d'augmenter les recettes afin qu'on puisse augmenter les services, améliorer les services. Parlez à vos cousins fédéraux, c'est ce que je lui dis. Merci. Faites attention, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les députés. Nouvelle question, le député de Toronto, Danforth. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Selon la loi sur l'éducation, la ministre est obligée, je le cite, obligée d'assurer que tous les enfants avec des besoins exceptionnels ont des programmes d'éducation spécialisés qui sont disponibles. Mais cependant, les parents de ces enfants se trouvent à lutter contre le gouvernement en dépit des efforts du système d'éducation, des gens en éducation, qu'on ne peut pas donner ces services. Est-ce que la ministre peut dire aux parents pourquoi ce gouvernement ne répond pas aux besoins des enfants ayant des besoins spécialisés? Merci, la ministre de l'Éducation. Et oui, on est engagé à s'assurer que les élèves qui ont des besoins spécialisés partout dans la province puissent recevoir des services d'éducation spécialisés. Et en fait, le député l'a noté, les conseils scolaires sont obligés de donner des services d'éducation spécialisés pour ceux qui ont été identifiés. Ce serait intéressant de noter que les conseils scolaires vont au-delà dans la prestation de services, vont au-delà de ceux qui ont été identifiés de façon formelle et dans des services d'éducation spécialisée pour des élèves qui n'ont pas été formellement identifiés parce que l'enseignant ou le directeur-directrice a identifié un besoin. Et on a montré qu'un tiers des élèves dans la province qui reçoivent des services d'éducation spécialisée le font sans une identification formelle quand la directeur-directrice reconnaît le besoin.
Merci. Question complémentaire. La ministre a une obligation juridique d'assurer que les programmes d'éducation spécialisée et les services sont disponibles quand les élèves en ont besoin. Les parents ne devraient pas avoir à lutter pour recevoir ces services dont ils ont le droit. Et en dépit de ce que la ministre dit, trop de parents reçoivent la réponse du conseil scolaire qu'ils n'ont pas assez de fonds pour appuyer leurs enfants pour recevoir des services. Est-ce que la ministre peut dire en chambre combien d'écoles ne peuvent pas répondre à leurs obligations juridiques? Réponse la ministre. Je suis très content de dire à l'Assemblée législative que si vous regardez le financement d'éducation spécialisée, il a augmenté de 2,7 milliards de dollars. Et est arrivé à 2,7 milliards de dollars cette année. C'est une augmentation d'un milliard de dollars comparé à ce qu'il était en 2002. On a eu une augmentation de 67 % depuis notre arrivée au pouvoir dans le montant de financement qu'on donne au conseil scolaire pour l'éducation spécialisée. Et il incombe au conseil scolaire de décider de l'allocation de ces fonds, mais comme j'ai dit, il y a moins d'élèves et on a augmenté le financement pour l'éducation, pour des soins spécialisés de 67 %, c'est-à-dire plus d'un milliard de dollars. Merci. Nouvelle question, la députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les gens qui sont ici, qui pensent au scandale du sang contaminé, comprennent l'importance de maintenir l'intégrité du système sanguin au Canada. En tant qu'infirmière et que parent, je suis intéressé à cette chose. Je me souviens que j'ai reçu une lettre qui disait que même si la santé de mon enfant, mon fils, était déjà fragile, il avait un problème, peut-être qu'il avait reçu un sang contaminé à l'hôpital dans les années 80. Heureusement qu'il ne l'avait pas reçu. Il n'a pas souffert des conséquences. Les dons de sang sont un pilier du système de transfusion de sang et qui est menacé par du fait qu'il y a des gens qui payent pour le plasma. Et mes concitoyens à Cambridge sont intéressés. Est-ce que le ministre peut informer quelles mesures il prend pour protéger l'intégrité du système de sang en Ontario? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci. Je veux remercier la députée de Cambridge de cette question très importante et bien atteinte. Et j'étais très content d'avoir déposé en chambre hier la loi sur la sécurité pour sauvegarder l'intégrité des soins de santé. Et cela répond aux préoccupations de la députée, qui sont des préoccupations dont on a fait écho, en particulier les spécialistes de santé, les organismes dans le domaine de la santé, les défenseurs de patients et les citoyens qui s'opposent à la vente au plasma à profit. Et c'est pourquoi on a déposé, comme on est d'accord avec cette mesure, il faut qu'on soit ensemble contre le paiement du plasma ou du sang en Ontario. Et ça va bâtir sur des mesures que notre gouvernement a déjà prises pour protéger l'intégrité du système de don de sang. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. En tant qu'infirmière à qui nous a demandé la sécurité du système de sang, je suis très content que le ministre a redéposé ce projet de loi et j'espère que tous les députés vont appuyer. Le don de sang, c'est un don de vie et nous sommes reconnaissants aux milliers d'Ontariens qui, de façon volontaire, donnent de leur sang et de la plasma chaque année. Leur don aide d'autres à survivre à des accidents, chirurgies et des maladies qui menacent leur vie. J'ai vu beaucoup de patients, aussi bien que notre fils, de se remettre suite à la générosité de ces citoyens qui ne sont pas du tout égocentriques. Les Ontariens ont besoin des produits de sang et des produits de plasma, mais veulent aussi qu'ils soient sécuritaires. Ils doivent savoir que les produits sont disponibles. Est-ce que le ministre peut dire si on va, une fois que les mesures sont adoptées, qu'on va avoir des effets négatifs sur l'approvisionnement en sang? Réponse du ministre.
Merci encore à la députée de Cambridge. Notre gouvernement prend des problèmes d'approvisionnement en sang au sérieux, aussi bien des produits de plasma, et ces mesures proposées ne vont pas poser à risque le problème. On n'a pas besoin d'un système parallèle à profit pour de sang. Nous sommes complètement autosuffisants au Canada. Et les compagnies à profit vont le vendre, les produits, dans le marché international pour qu'on fabrique des produits de plasma à des fins pharmaceutiques. Depuis plus de 15 ans, la Société canadienne du sang a géré, et c'est un organisme sans but lucratif, et je pense qu'on peut répondre à tous les besoins. Merci. Nouvelle question, la députée de Dufferin-Cal. Ma question s'adresse à la ministre des Services sociaux et communautaires. Des députés comprennent la difficulté que beaucoup de familles ont quant à avoir des services à des gens qui ont des déficiences intellectuelles. À Dufferin-Cal, une famille a eu des problèmes au bureau de services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, DSO en anglais, et les parents avaient des problèmes de santé, ont appelé à ce bureau et n'ont pas eu d'aide. Et ce bureau a démontré qu'il s'en fichait un peu des besoins de mon concitoyen. Il leur a dit, vous avez de la chance de recevoir du financement. Est-ce que vous pensez qu'on devrait donner ces réponses de cette sorte-là aux gens qui ont besoin? La ministre des Services sociaux et communautaires. Merci à la députée de sa question. En général, en réponse à ce qu'on vient de nous dire, je suis vraiment très concerné par cette réponse et je tiens à cœur les besoins d'une telle famille qui reçoit une telle réponse quand elle a besoin de services et de l'aide. Ces bureaux sont très nouveaux de services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont été établis en 2012 pour donner un guichet unique aux demandes pour qu'on donne des réponses cohérentes à tout le monde, pour que cette demande unique soit faite et qu'il y ait une cohérence à travers le système. Alors, nous sommes bien conscients qu'il y a eu des problèmes dans la mise en œuvre des services et on va faire des changements pour les services à la clientèle dorénavant. Par la suite. Question complémentaire. Merci à la ministre de votre candeur. Je comprends que vous comprenez qu'il y a des défis dans le secteur, mais je pense qu'il faut faire des changements dans ce bureau. Le comité spécial sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle a donné 7 recommandations qui traitent en particulier le service de ces bureaux-là. Pas toutes les recommandations demandent à ce qu'on dépense l'argent, mais demandent du leadership de vous. Est-ce que vous avez adopté les recommandations de ce comité spécial pour améliorer les services dans ces bureaux à travers la province? Réponse la ministre, merci. Et clairement, on a mis un plan en place qui est indiqué dans le budget pour investir 810 millions de dollars sur les 3 ans à venir plutôt. Ça va avoir apporter un changement incroyable dans tous ces bureaux et dans le domaine de personnes ayant une déficience intellectuelle et les services. 21 000 personnes reçoivent sont dans le système et on donne des soutiens à 4 200 personnes. On va appuyer 1 400 personnes qui ont des besoins de logement urgent. On va faire une promotion du système d'intégration communautaire par des partenariats et on va avoir des familles hôtes qui seront ajoutées. Et c'est une chance maintenant pour le troisième parti, les deux partis de l'opposition, d'être de notre côté en appuyant le budget. Nouvelle question, la députée de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président.
ma question s'adresse au ministre des Transports. À la fin avril, on a annoncé un plan de London à New York, à Toronto plutôt. À Windsor, on se demande quand est-ce qu'on va avoir un plan. Et quelques semaines plus tard, on a eu l'élection ontarienne et la candidate libérale à Windsor, qui était aussi ministre, a promis qu'on aurait le train à grande vitesse de Windsor à Toronto. Mais maintenant, le gouvernement semble l'oublier. Elle parle sans arrêt de la ligne de Toronto à London, mais pas à Windsor. Oui, j'aimerais avoir un oui ou non quant à la réponse. Est-ce qu'on va avoir un train à grande vitesse? Est-ce qu'il ira jusqu'à Windsor? Le ministre des Transports, merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée de Windsor. Je ne sais pas si c'est la première fois que je réponds à la question posée par la députée de Windsor West. Mais j'apprécie. Mais il faut savoir que si on peut accomplir ce plan ambitieux pour les transports et les transports en commun, on peut seulement l'accomplir si on a le soutien pour le budget qui est devant la Chambre cette semaine. Les 29 milliards de dollars qui sont inclus pour les transports en commun, sont très importants pour non seulement qu'on puisse avoir du train à grande vitesse pour Kitchener, London et Windsor éventuellement. C'est important d'avoir ces 29 milliards de dollars où il y aura 14 milliards de dollars pour les collectivités du côté dans la grande région de Toronto et de Hamilton. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir avancer avec ce projet et j'ai hâte de parler avec la députée pour qu'on en discute des détails. Question complémentaire? Monsieur le Président, les électeurs de Windsor ont reçu une promesse de ce gouvernement d'une ligne à grande vitesse et pas une autre étude. C'était là dans les annonces par le candidat. Mais le gouvernement n'a pas l'intention d'inclure Windsor et on se demande s'il est sérieux quant à cette ligne de train à grande vitesse. C'est pas mentionné dans le budget du gouvernement et le gouvernement refuse de publier l'étude qui montre qu'on peut ouvrir cette ligne avant 10 ans. Est-ce que le train de grande vitesse, le gouvernement va l'admettre, c'est juste une promesse vide de sens pendant l'élection? Réponse du ministre des Transports. Je remercie la députée de Windsor West de cette question complémentaire. Je ne vais pas présumer ce que la population de Windsor a voté, mais je pense que la population de Windsor, comme à London, Kitchener, Toronto et à Vaughan, les gens ont voté pour un plan ambitieux qu'on a, qui était sur notre programme électoral, dans le budget, dans le discours du tronc, où il y a 29 milliards de dollars alloués au transport et au transport en commun. C'est aussi important de reconnaître que le projet des transports à grande vitesse est très important. Ce projet, sur les 10 ans à venir, va créer des milliers d'emplois et a le potentiel, en particulier si on a la coopération et l'occasion de travailler avec des députés de tous côtés de la Chambre, ça va réénergiser l'économie de l'Ontario. Et j'espère que la députée sera de notre côté. Merci. Nouvelle question, le député de Tobacco. Le Président, ma question s'adresse à la ministre déléguée aux affaires francophones, l'honorable Madeleine Meyer. Le 10 juillet dernier, le commissaire au service en français déposait son 7e rapport annuel. Ce rapport est en fait historique, puisque c'est le premier rapport du commissaire en tant qu'officier indépendant de l'Assemblée législative. Monsieur le Président, la ministre déléguée aux Affaires francophones peut-elle partager la réponse du gouvernement à ce rapport? Merci. Merci. La ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député d'Etobicoke-Nord pour sa question. Notre gouvernement est fier d'avoir introduit le projet de loi pour l'indépendance du commissaire en septembre dernier et je veux remercier les deux partis de l'opposition qui ont soutenu spécifiquement le député de Nepean-Carlton et la députée de Nickel Belt. Ce dernier rapport du commissaire contient 4 recommandations. Cette année encore, le commissaire soulève des enjeux importants pour les Franco-Ontariens, tels que l'immigration et l'accès à la justice.
Nous allons examiner en détail chacune de ces recommandations, évaluer leur faisabilité et aller de l'avant pour améliorer la prestation des services pour notre communauté francophone. Merci, oui. Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre déléguée aux Affaires francophones pour sa réponse et aussi pour son dévouement à la communauté francophone et francophile, comme moi-même, depuis plus de 10 ans déjà. La ministère déléguée aux Affaires francophones mentionne l'accès à la justice en français. Monsieur le Président, ma question est pour la procureure générale. Le commissaire aux services en français félicite le gouvernement pour les progrès accomplis dans plusieurs domaines, incluant celui de la justice. Monsieur le Président, la procureure générale peut-elle nous donner un aperçu des progrès accomplis dans le domaine de la justice? Merci. Merci encore une fois pour la question. Comme vous savez, notre gouvernement est très engagé à améliorer l'accès à la justice en français en Ontario. Mon ministère, le procureur qui m'a précédé, a établi un comité consultatif de la magistrature et du barreau qui a émis des recommandations. Ces recommandations sont revues par le comité directeur pour étudier leur application, mise en place un plan stratégique pour le développement des services en français, et chaque année, des intervenants et cadres supérieurs du ministère se réunissent pour établir les priorités pour les services en français. Alors, notre plan stratégique, Monsieur le Président, a d'ailleurs reçu une mention honorable dans le rapport du commissaire Boileau. Quant à la recommandation du commissaire, mon ministère étudie la faisabilité d'un projet pilote pour améliorer l'accès à la justice en français. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Monsieur le ministre, dans ma circonscription, nous faisons face à beaucoup de défis. Le gouvernement a arrêté le lien connecté et donc on doit prendre l'autobus pour traverser le pont Armstrong, qui est très essentiel pour les villages. Nous avons des frais de réparation qui sont bien au-delà $1 million. Et donc, c'est un pont qui est essentiel pour accéder à différentes autoroutes provinciales, entre autres l'autoroute provinciale 124. Le pont est un lien essentiel de tous les côtés du sens. Est-ce que vous allez appuyer les communautés telles que Burke's Falls, qui maintenant font face à des coûts d'infrastructure qui sont incroyables, et maintenant que vous avez mis fin au programme d'interconnectivité? Le ministre, merci. Je veux remercier le député de Pearson-Muskoka pour sa question. C'est la première occasion que j'ai d'écouter, d'entendre parler de cette situation, disons, unique dans sa circonscription. Et donc, j'aimerais bien avoir l'occasion d'avoir une conversation plus longue avec le député pour voir comment ça affecte la communauté. Il est aussi important de noter, Monsieur le Président, que depuis que nous sommes revenus ici, après l'élection, le parti de l'opposition continue de dire que le gouvernement ne veut que faire des compressions et de sabrer dans les dépenses. Mais vous savez, après, nous avons des députés tels que le député de l'autre côté qui nous demandent de faire des investissements. Et donc, on voit qu'il y a un manque de cohérence de ce côté. Je serais heureux de parler du député de l'autre côté sur ce qui se produit dans sa circonscription, mais ça montre pourquoi c'est essentiel d'appuyer les investissements que nous voulons faire pour tout l'Ontario. Complémentaire. Encore une fois, au ministre des Transports, vous savez, la municipalité a fait son travail au cours des dernières années. Ils ont consulté les fonctionnaires du ministère pour recevoir du financement. Burke's Falls a un revenu sur les impôts qui est moins d'un milliard de dollars. Ils doivent reconstruire le pont de Yonge Street. Ils ont aussi ils doivent travailler sur une usine de traitement d'eau. Et donc, maintenant, nous avons le plan de réparation du pont Armstrong qui pourrait faire en sorte que la ville fera faillite. Et donc, ce que l'on veut savoir, c'est si le gouvernement les aidera à réparer ce pont.
Le ministre, merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de l'autre côté pour sa complémentaire. Et comme je l'ai dit dans ma première réponse, je serai heureux de travailler avec ce député et avec sa communauté afin de régler ce problème. Il faut reconnaître que le budget que nous présentons dans cette Assemblée, le budget sur lequel nous avons fait campagne, aidera à diminuer le fardeau qui affecte plusieurs communautés. J'ai travaillé aussi avec le ministre de l'Agriculture, de l'Infrastructure, afin que nous puissions faire les investissements essentiels dans les communautés. Mais évidemment, je serais heureux de discuter avec les députés de l'autre côté pour parler de ce qui se passera dans sa communauté. Et c'est la raison pour laquelle il est important de continuer à investir dans les communautés de cette province. Et le député de l'autre côté devrait appuyer le budget à cet effet. Question, le député de Timmins Valley James. Ma question est pour le ministre de la Santé. J'ai un commettant, Richard Gauthier, qui souffre de la maladie. Maladie pulmonaire obstructive chronique et le problème, c'est qu'on lui a fait une prescription qui ne peut être appliquée et donnée dans une clinique et c'est une clinique qui se trouve à Toronto. Il n'a pas eu de bourse de voyage et donc je veux vous savoir si vous allez réviser ce cas plutôt pour nous assurer que ce commettant puisse obtenir ses traitements à Timmins. Le ministre, je serais heureux de m'asseoir avec vous afin de réviser le cas avec mes fonctionnaires du ministère pour voir la meilleure approche que l'on peut prendre dans ce cas en particulier. Je ne parlerai pas des détails, mais oui, je m'engage à travailler avec vous afin de trouver une solution à ce problème. C'est aussi important de mentionner, Monsieur le Président, que dans un cas comme celui-là, ça met l'emphase sur l'importance des programmes qui sont équitables pour tous les Ontariens. Nous continuons de travailler et de promettre 4 millions de dollars chaque année pour le programme de traitement et de médicaments. Et je serai heureux de me pencher sur ce cas en particulier en tant que ministre responsable. Et je veux m'assurer que les critères de sélection soient respectés. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'ai réussi à le faire à la dernière seconde. Donc, j'apprécie que le ministre veuille bien évaluer ce cas, mais je veux être claire. Le médicament de mon commettant est couvert par l'assurance maladie, l'assurance médicament, mais le problème, c'est que ce médicament ne peut être donné dans ces cliniques particulières qui ne sont pas approuvées par la province de l'Ontario. Il n'y a aucune clinique disponible en Ontario, à Timmins. C'est seulement à Toronto qu'on peut en avoir. Donc, j'apprécie que le ministre veuille bien évaluer la question et nous voulons nous assurer que le patient puisse recevoir la bourse de voyage afin qu'on puisse sortir de l'hôpital, ce qui coûterait beaucoup plus cher. Le ministre, merci, je vais faire un suivi un peu plus tard. Député de Scarborough-Rougeveux, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous allez me donner un peu d'indulgence. Je voudrais reconnaître deux de mes invités qui sont dans la galerie, dans la tribune ouest, qui résident dans ma circonscription depuis très longtemps. Ce sont de bons amis à moi, Joseph Sheehan et sa femme Lynn Sheehan, qui sont ici pour voir la période de questions. Député de Bramley-Gore-Malton, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président, pour votre indulgence. Je demande à tous les députés de se joindre à moi pour accueillir de bons amis à moi de la circonscription, de ma circonscription, Gypsy, qui est un frère de trois qui ont beaucoup d'influence dans les affaires de ma circonscription. Il y a aussi les membres de l'Association canadienne, c'est tout simple, si on veut les reconnaître. Le ministre de la Formation des collèges et universités. Merci, Monsieur le Président. Veuillez m'aider à accueillir John Hamas, qui est ici. Le député de Etobicoke-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Rappel au règlement. Je demanderai à tous les députés de m'aider à accueillir Tania Cosman, qui est mon assistante parlementaire, et ainsi que Nick, qui est un activiste de ma circonscription.
Donc, je sais que vous savez que ce n'est qu'aucun de ces rappels au règlement n'était des rappels au règlement, mais nous accueillons nos invités. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes donc en pause jusqu'à 15 heures.